Dans cette autre vidéo tirée de YouTube, un drone de l'armée israélienne a repéré trois activistes du Hamas sur le point de lancer une roquette. Le drone israélien tire un missile et exécute ses trois cibles. En fait, une des raisons pour lesquelles nous avons développé les drones est une raison légale. Les drones peuvent être beaucoup plus précis. Ils peuvent utiliser leurs armes de manière chirurgicale, ce que des attaques par hélicoptère ou par avion de chasse ne peuvent pas faire, parce que leurs armes sont trop grosses. Cet homme est l'un des rares à briser la censure. Il légitime avec franchise l'utilisation des drones armés par Israël. Gaza est un foyer de terroristes. Beaucoup d'organisations, y compris le Hamas, qui gouverne le territoire, sont des organisations terroristes, tous. Ils utilisent intentionnellement des endroits peuplés et sensibles pour lancer des roquettes ou pour attaquer Israël. Nous n'avons pas d'autre choix que de contre-attaquer. Nous apprenons, nous essayons d'être meilleurs, mais c'est impossible de combattre le terrorisme, de se protéger sans faire parfois des erreurs. Et parfois, nous faisons des erreurs. Thank you.